Վերջապես հասանք մեր 4-րդ մասնակիցին, 3-րդական ֆրանսերենի ուսուցչուհի Միրիամ Լոզոն։ Ինչքան ես գոհ։ Չեմքին։ Roman espagnol de l'auteur Carlos Ruiz Zafón et ça s'appelle L'ombre du vent. Alors, quand j'étais adolescente, j'adorais l'émission D.O.C. et mon personnage préféré c'était Seth Cohen et j'étais clairement amoureuse de lui. J'essaye la soupe de la cafétéria de Surpaga pour la première fois. C'est quand même bon. C'est genre une crème de poulet avec plein de légumes. Ça va, ça le fait ça. Ma plus grande peur, c'est les hauteurs. J'ai vraiment le vertige. Dès que je monte à la deuxième marche d'une échelle, je tremble et je panique. On va tirer Karine au tarot. Stress à Alors ça, c'est ton passé. Donc on voit que ton passé, qui est la force, démontre que tu as une enfance très, très puissante et qui aura un impact très probablement sur ton avenir ou peut-être même sur ton présent actuel. Ici, nous avons l'homme entouré de bambou qui démontre que en ce moment, tu es en progression. Cherche à atteindre l'avenir, et là ça correspond tout à fait au choix du cégep, à la fin du secondaire, on se dirige vers l'avenir, tu comprends? Et ici, le jugement. Alors ton avenir sera peut-être dans le droit? Est-ce que tu aimerais être avocate, par exemple? Est-ce que tu aimerais te... Il y a aussi... un ange, hein, en haut. Alors peut-être que tu vas vouloir aider les autres, tu vas vouloir leur annoncer la bonne nouvelle et les autres vont t'écouter. Tu penses que tu vas avoir beaucoup d'influence sur ton entourage. Voilà. OK. Mon plus grand regret, c'est quand j'étais en voyage au Chili, j'étais allée pendant leur hiver, donc c'est pendant notre été, et j'étais allée faire du ski. Et puis la plus belle journée de neige de toute ma vie, ok, c'était vraiment les plus belles conditions, je me suis foulée la cheville au premier mètre de la pente. Alors j'ai jamais pu skier les plus belles conditions, mais j'étais sur place. Maintenant, je vais essayer de faire du skateboard dans les corridors de l'école, ce qui est tout à fait pas en accord avec les règlements. La chose la plus folle que j'ai faite et à ne pas faire à la maison, quand j'étais en Inde, j'étais avec une amie, on était seulement deux filles à voyager ensemble et il y a un garçon qui nous a offert de nous amener dans le désert faire un tour de chameau. Et on s'est jamais, on l'a accepté parce qu'il nous offrait ça gratuitement, on trouvait ça trop cool. Puis en fait, rendu dans le désert, je me suis dit, mais c'est l'endroit parfait pour se faire violer, ça. Quelle mauvaise idée d'être venue là. Alors ça, c'est clairement la chose la plus stupide que j'ai faite. Ma nourriture préférée est la nourriture indienne. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup tous leurs épices et tout ça. Mais sinon, je suis aussi une grande fan de pâtes. OK, maintenant je vais emballer. Mon élève le plus talent. Gracias.
Sinon, mes vacances préférées, dans le fond, mon voyage que j'ai préféré, c'est certainement le voyage que j'ai fait en Indonésie. C'est, selon moi, le pays parfait pour les vacances parce qu'il y a 300 000 activités à faire, les gens sont gentils, la nourriture est bonne et il fait toujours beau. Ma prochaine destination voyage, justement, c'est... je m'en vais en Europe tout l'été. Donc, j'ai plusieurs destinations en Europe. Je veux aller en Italie. J'aimerais ça aller en Roumanie aussi parce que j'ai un ami qui habite là-bas. Et finalement, et ça, c'est mon objectif principal de l'été, c'est d'aller aux Açores. Ce sont des petites îles portugaises dans le milieu de l'Atlantique. Ça a l'air magnifique et je suis très excitée par ce projet. Si j'étais pas enseignante de français, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est de voyager à travers le monde et d'avoir un blog de voyage. Donc, de rédiger des articles sur ce que je visite, ce que je mange à l'étranger et tout ce que je fais là-bas.